Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin, au milieu des siens, paisiblement. Le journaliste qui a reçu l'appel a noté l'insistance de la famille sur la ponctuation. À 11h57, la dépêche flash de l'AFP écourtait le propos en quatre mots. Jacques Chirac est mort. Point. Né d'une chrysalide confectionnée d'un écheveau de valeurs gauchistes, je m'imagine à deux doigts d'être traîné au tribunal familial pour haute trahison. Chirac. Chirac, c'est Voldemort. C'est Beetlejuice répété trois fois. C'est Victor Hugo qu'on assassine en piétinant des parterres de roses et en crachant sur Mitterrand. Excommunication, mise au banc, répudiation en un claquement de doigts. Je n'y échapperai pas. Privé d'héritage et de sépulture familiale, je finirai par crever la dalle sur un rocher ou échouer en crève-misère dans une résidence d'artiste. Chirac pour Chirac ne m'intéresse pas. C'est Chirac pour dire une génération d'enfants, aujourd'hui approximativement trentenaires, dans les cervelles desquels il était une des toutes premières et vagues notions de chef d'État. C'est Chirac pour les CE2 de 1995. C'est sa mort qui entérine, redouble la tienne. C'est sa mort comme la fin d'un temps où les traces de l'enfance meurent aussi, où les traits du visage d'alors s'estompent tout à fait dans ceux de l'adulte d'aujourd'hui. Tout fond et le niveau de la mer continue d'augmenter, d'engloutir des centimètres de terre ferme. Des îles disparaissent au large des océans, dont la température s'accroît de quelques millièmes de degrés chaque année, chaque jour. Bientôt, Venise sera sous les eaux. Bientôt, plus de Vendredi, de Robinson Crusoe et de Petit Coraya. Bientôt, la langue déclarera forfait devant l'absence de choses à dire. Sincères condoléances, quand même. C'est le goût de cet alcool de poire qui manque à mes papilles. Celui que tu fabriquais avec ton voisin et beau-frère. Tu m'emmenais vers les poiriers qui, pour moi, n'en étaient pas encore tout à fait. Tu m'initiais aux lois complexes qui régissent le monde, aux mécaniques secrètes qui lui impulsent un rythme contre lequel on ne peut rien. Les poires avaient la forme et la grosseur de balles de ping-pong, peut-être même un peu moins. Un peu comme pour ces modèles réduits de bateaux enfermés dans des bouteilles, tu me demandais comment, à mon avis, on enfermait les poires dans les bouteilles d'alcool de poire dont le goulot semblait interdire la possibilité de les y avoir glissées. Je ne m'expliquais toujours pas comment on faisait entrer la poire adulte dans les bouteilles d'alcool de poire que buvaient les adultes et dont le goulot n'était manifestement pas de la grosseur de la poire. C'est à leur naissance qu'on emprisonne les fruits dans des bouteilles d'alcool qui n'en sont pas encore remplies. Puis sur l'établi ou sur la grande table de cuisine, au sous-sol, sur le plan de travail dédié à la préparation des bocaux d'asperges, de haricots, aux confitures, au foie gras, à la saucisse de cochon, au canard, aux fritons, au pâté, on remplit les hautes bouteilles vides d'alcool et pleines d'une grosse et belle poire, d'une eau de vie blanche, sans goût, sans couleur ni odeur, à part peut-être cette forte empreinte d'alcool semblable à celui qu'on appose aux genoux des enfants tombés des arbres. Merci. Merci à vous.